Salut, c'est Samdai, on va vous présenter sur quoi on joue. Salut, alors moi je joue sur une GL, une SB2 américaine, très classique, guitare, basse passive. Et au niveau du pédalboard, pareil, une disto, un octaveur, un compresseur, un accordeur, rien de plus, ça suffit. Ah oui. Un câble orange de 15 pouces avec une tête basse terreur en 500 watts, avec préamp à lampe et ampli en transistor. Cool. Voilà. Merci. Ouais, à monter. Moi c'est Christophe, donc ma batterie en fait c'est une première piste Maple qui a quelques années maintenant. Comme on peut voir sur les couleurs, ça vient pas du même envoi, hein, voilà, ça a été en séparé, mais ça reste une artiste Maple des années 90. Cymbale Amédia, cymbale turque, c'est un petit peu original, mais c'est très bien taillé pour le rock, c'est efficace, voilà, c'est un plutôt moyen de gamme, mais efficace, tout ça. Et voilà. Merci. Bon, ben moi je joue alors principalement sur une Gibson SG standard. Voilà. Et en deuxième guitare, j'ai un Charvel Telecaster modèle Joe Duplantier. À l'ampli 51-50 de chez EVH. Voilà, 50 watts. Ou de joli liquide, mais surtout grosse disto sur un petit 2x12 orange ouvert. Voilà, et ensuite, ça c'est mon petit bébé, c'est mon pedalboard avec deux trois pédales Walrus que j'aime beaucoup, chorus tremolo, un booster, un phaser, un delay Eventide, la terreur des ingestions, c'est la fuzz war, c'est un clone. Une whammy, une reverb, un accordeur, et ça c'est le petit switcher, le G-Lab, dans lequel tout est branché et avec lequel je contrôle et le changement de canal d'ampli et le changement de pédale. Voilà. Et un micro sans rien, parce qu'on m'interdit d'avoir un pédalier pour la voix. Salope, franchement. Voilà. Merci. Merci. Bon live les gars.